Revue des Unes qu'on démarre avec Fraternité Matin, qui à sa une de ce jour, eh bien, fait le point de la rencontre que le ministre Moussa Sanogo a eue avec les contrôleurs financiers hier. Et à cette occasion, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, eh bien, a demandé à ses collaborateurs de veiller à ce que les fonds décaissés par le gouvernement ivoirien pour les projets soient utilisés pour les tâches auxquelles ils sont alloués. Le nouveau réveil, à sa une de ce jour, pose cette question. Les prochaines municipales et régionales en Côte d'Ivoire vont-elles se tenir le 13 octobre 2023? Eh bien, selon le confrère, des rumeurs persistantes depuis quelques semaines indiquent que c'est à cette date que vont se tenir ces échéances électorales. Et puis, Wish, à sa une de cette semaine, eh bien, indique que l'argent peut être plus important que l'homme. Bon, le confrère explique cette assertion par le fait qu'aujourd'hui, on vit dans une société où l'argent, malheureusement, a pris le pas sur toutes les autres considérations, au point où, pour être estimé, eh bien, il faut être financièrement nanti. On le voit ici avec cette image hein, qui vaut plus que 1000 mots. Et puis, pour terminer, nos condoléances les plus attristées à Tonton Booba, qui vient de perdre son dernier fils, l'adolescent âgé de 16 ans, est décédé le dimanche 19 mars 2023 ici à Abidjan. Et Wish en parle à sa une de cette semaine également. Allez, on passe.